Eh bien, bonjour à tous, Erwan Garel, photographe aviateur. On arrive en fin de confinement, j'espère que vous allez tous bien et qu'on va pouvoir tous se remettre au travail dans les meilleures conditions. Cette petite vidéo pour vous rappeler un petit peu mes prestations, ce que je peux vous offrir et amener à votre entreprise. Donc en tout premier lieu, je fais de la photo aéronautique, aussi bien les avions, qu'ils soient au sol ou en vol. Mais également l'entreprise en elle-même, ça peut être ses locaux, ça peut être ses personnels à travers des portraits, à travers des reportages. Je fais évidemment également de la photo aérienne pour mettre en valeur des territoires, pour mettre en valeur des entreprises. Au niveau de l'aérien, je fais également de l'inspection de bâtiments, de l'inspection technique. Ces images prises d'en haut sont également une mise en valeur idéale pour l'immobilier, pour les agences, pour les particuliers qui veulent vendre leurs biens. Et évidemment, je fais non seulement les photos à partir du drone pour les biens immobiliers, mais également intérieur et extérieur, avec éventuellement un petit montage vidéo. Au niveau du portrait, en plus du portrait d'entreprise, je peux aussi réaliser des portraits plus personnels, que ce soit au niveau particulier, mais également professionnel, pour par exemple votre profil LinkedIn ou Facebook, puisqu'avoir une bonne image, c'est particulièrement important. Une dernière chose, en plus des reportages, donc vous savez que je fais des reportages pour la presse, mais également des reportages pour les entreprises, je le fais également depuis le début de l'année, donc forcément ça s'est un petit peu mis en sommeil avec le confinement. Je fais également de la vidéo, comme vous avez pu voir, entre autres pour la Chambre des métiers. Et donc, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin d'informations pour toutes ces prestations, n'hésitez pas, vous avez mon site internet, dessus vous avez toutes mes coordonnées. Ça me fera plaisir de toute façon d'en discuter avec vous. Et je vous dis à très bientôt. See you!